Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éternel est bien. L'Éternel est bon vers nous durant toute la semaine. Si vous avez des mots de remerciement, si vous avez des témoignages à partager, je vous invite devant. Y aura-t-il des témoignages? S'il n'y a pas de témoignages, nous allons passer au dîme. Que toute personne qui va emmener une dizaine de leur venue, je vous invite à venir devant. Oh.
mon Dieu. Je l'ai appelé son serviteur, pasteur Samuel. Allons au ciel. Hallelujah. Amen. Going to heaven. Allons au ciel. That is the
what we call rapture. Now, when Jesus Christ died and resurrected, he showed himself, he appeared to his disciples. And later, he was received into heaven, where the disciples saw him going up into the heaven. And when he reached the sky, he saw two angels, two men, which they believed that it was Moses and Elijah. And also they heard a voice that cried unto them, men of God, why are you looking into the heaven? As if you don't have any hope. But this Jesus who have been taken this way shall come the same way. Let's read that in the book of Acts. But put your hands in the book of 1 Thessalonians because we'll come back. Nous allons mettre de côté le premier des Thessaloniciens, nous allons revenir. Because this is just an introduction. Ça c'est juste l'introduction. Acts. Alors, Acte. Acts chapter 1. Acte chapitre 1. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly towards heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which was taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Alleluia. Amen. Amen. Acte chapitre 1, à partir du verset 9, je lis la parole de Dieu. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il nuait le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. 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 Let's read Matthew chapter 24. Lisons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 30. Verset 30. He says, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with great power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of trumpet, and they shall gather together his elect from four winds, from one end of heaven to the other. Amen. Amen. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 30. Et 31. Et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. 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 Now look at verse 36. Regardez le verset 36. But on that day, an hour knoweth no man. No, not the angels of heaven, but my Father only. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verse 42. Verset 42. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doeth come. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verse 44. Verset 44. Therefore, be ye also ready,
For in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It talks about a time. Ça parle d'un moment. That Jesus is going to appear in the clouds. Va apparaître dans une nuée. And the sound of archangel's trumpet. Et au son de la trompette de l'archange. And they're going together. Et il va rassembler. All his elect. Tous ses élus. All those who have given their life unto him. Tous ceux qui ont donné sa vie à lui. Il va les rassembler. And take them to the heaven. Il les amène au ciel. Hallelujah. Amen. Jesus will not come on the earth to preach again. Jésus ne va plus venir sur la terre pour prêcher. With this, alors, let it enter into you. Que cela puisse entrer en vous. If any man si tout homme comes on the earth, vient sur la terre, and he says it's Jesus, et il dit qu'il est Jésus, it's not Jesus. Ce n'est pas Jésus. Hallelujah. Amen. If any man, si un homme, no matter the miracles he will do, encore des miracles, because false Christ will come. Il faut Christ venir. And they will do so many miracles. Il va faire beaucoup de miracles. That and those who follow Christians who follow miracles, et les chrétiens qui suivent les miracles, they will be deceived. Seront déçus. And I'm not against miracles. Je ne suis pas contre les miracles. But I am against the person who comes in and say that I am Jesus. Mais je suis contre les personnes qui viennent et qui disent que to je suis miracles. Afin de faire no des matter miracles. What wonders the person will do, peu importe les miracles que la personne, person is not Jesus. La personne n'est pas Jésus. Have it in mind. Et dans ta tête. Jesus will appear in the clouds. Jésus va apparaître dans les miracles. Every eye shall see. Tous les yeux le verront. Even the dead. Même les morts. We will read. Nous allons le lire. The Bible says, la Bible dit, in the twinkle of an eye, dans un clapon, the dead will rise from the dead. Les morts vont se lever de la mort. And they will change. Et ils vont changer. They put on immortal. Ils vont être revêtus. They will be changed. Ils vont être changés. And put on immortal body. Et ils vont mettre des corps immortels. And we who are alive, nous qui sommes vivants, in the twinkle of an eye, dans un clapon d'œil, our body, le corps, will also become. Vont devenir immortal body. Des corps immortels. Immortal body, what does it mean? Et qu'est-ce que cela veut dire? Des corps immortels. Explain it in a simple way. Vous pouvez l'expliquer d'une manière. When we talk about immortal body, un corps immortel. A body, un corps that does not grow, qui ne vieillit pas. A body, un corps that does not change, qui ne change pas. Hallelujah. Amen. When Jesus died, quand Jésus est mort, he was 33 years. Il avait 33 ans. Anybody who sees a vision of Jesus, tout le monde qui va être vision de Jésus. How long he died? Whether you saw him 1,000 years ago, après, whether he appeared to you 2,000 years ago, whether he appears to you today, you still see him at the age of 33 years. Hallelujah. When somebody when the person dies, and you see the person in a vision or in a dream, dans une vision ou dans the age the person was in when he died. L'âge de la personne qu'elle avait qui était mort. That is how you see the person. C'est de cette manière que tu no vois. No matter how long the person died. Peu importe le nombre d'années. It can be 20 years ago. Même si c'était 20 ans. When you see him or him, lui ou elle, it will be the same age. Ça sera à la même âge. That the person left the earth. Que la personne a quitté la terre. Because parce que when you die, quand tu meurs, your body, ton corps, as a Christian, en tant que chrétien, who will resurrect, will become an immortal body. Hallelujah. Amen. Let's read now. The first Thessalonians chapter 4. Premier Thessaloniciens chapitre 4. Verse 13. Verset 13. I know there was this argument. Je sais qu'il y avait ce about the coming of Jesus. Sur la venue de Jésus. Paul took his time to explain. Alors Paul a pris son temps pour he expliquer. Said, but I will not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, and that ye sorrow not, even as others which have no hope. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. For this we say unto you by the word of the Lord, that
coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Non, Seigneur, nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui seront. For the Lord himself shall descend from heaven with the shout, with the voice of trumpet, and with the voice of the archangel, and with trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up in together with him, and with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Hallelujah. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Paul, explain it this way. L'a expliqué de cette manière. In 1 Corinthians, dans 1 Corinthiens, let me check. In the twinkling of an eye. Okay. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Hallelujah. Amen. For the time's sake, I want to read where we get it direct. Blah, 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 but if you give the moment, twinkling of an eye. Okay. Let's take it from verse 47. Verset 47. The first man is of the earth, and the second man is the Lord from heaven. Verse 47. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. And as is the heavy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Tel est le terrestre, tel sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tel sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Now this I say, brethren, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither do corruption inherit incorruption. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Now look, listen to this. Écoutez. Verse 51. Verset 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruptible, and this mortal must put on immortality. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verse 54. So when this corruptible shall have put on incorruptible, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that was written, death
Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? When Jesus appeared, quand Jésus apparaît, the dead that are dead in Christ, ceux qui sont morts en Christ, in the twinkle of an eye, en un clin d'œil, they will change. Ils vont changer. And have immortal body, ils auront encore incorruptible body, encore incorruptible. They will resurrect. Ils vont resurrect. We who are also alive, nous sommes vivants. Our body will change. Nos corps vont changer. And have incorruptible body, encore immortal body. Encore immortal. And we will go with it. Nous allons partir so avec. Yeah. Alors la mort n'aura any control, aura aucun contrôle. Over any child of God, tout enfant de Dieu. Hallelujah. Amen. Yeah. La mort will not have any authority. Aura aucune autorité. Death cannot hold anybody in me. Because all the children of God will take it out. Seront enlevés. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, maintenant, let's see First Thessalonians chapter 5. This is where. Voyons 1 Thessaloniciens chapitre 5. The problem. C'est là où le problème comes a bit. Vient un peu. Chapter 5, chapitre 5, verse 2, verse 1. Verset 1. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrit. For yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. For when they shall say peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them, as travail upon a woman with a child, and they shall not escape. But ye brethren are not in the darkness, that the day should overtake you as a thief. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors le ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It says the day, le jour, the days we are in now, le jour où nous sommes maintenant. If you say you don't know that we are in the last days, si tu ne sais pas que nous sommes dans les derniers jours, then you are not a Christian. Alors tu n'es pas un chrétien. If you don't know, si tu ne sais pas, that we are in the days, que nous sommes dans les when jours, the devil is manipulating and doing everything, il fait toutes choses, to take control over the earth, afin de prendre le contrôle de la terre. If you say you don't know, si tu dis que tu that we are in the last days, que nous sommes dans les derniers jours, then you have a problem. Alors tu as un problème. Because all the prophecies, parce que toutes les prophéties, that was given in Matthew 24. All the prophecies we know concerning the end times in the book of 1 Timothy chapter 4, all these prophecies have been fulfilled. 2 Timothy said, he said, in the last days, men will be pleasures of themselves. Les gens seront satisfaits d'eux-mêmes. Pleasure of themselves. They will do things that men ought to do. Men marry men, women marry women. Faire des choses qu'ils veulent faire. Des hommes qui se marient avec des hommes, des femmes qui se marient avec des femmes. Doing things that is not seemingly. That is not acceptable to God. Des choses qui sont pas acceptables à Dieu. The men will be of 18 years. People go to churches. Les gens vont à l'église. Where even when they are sinning, the pastor will say, God bless you. Là où même ils pêchent, le pasteur va dire que Dieu te bénisse. Oh, I am sinning, the pastor has anointed me, so I am okay. Je veux que le pasteur me l'envoie avant que je sois. And we anoint people to still stay in sin. Et on voit des gens pour qu'ils puissent demeurer dans le péché. One time someone was asking, et un jour quelqu'un m'a dit, pasteur, why don't you often pray for people? Pourquoi tu ne pries pas souvent pour les gens? I said, you see, mais tu vois, pastors, les pasteurs, we have made people to be lazy, Christians to be lazy. Vous avez rendu les gens, les chrétiens, and also we have made Christians, instead of having faith in the word of God, au lieu d'avoir la foi dans la parole de Dieu, we put our faith in the men of God. Mettons la foi dans les hommes de Dieu. Hallelujah. Amen. When you read the Bible, quand tu lis la Bible, anytime Peter, à chaque fois, or any of the apostles, à chaque fois, went to a place, à, that people want
to worship them. Les gens voulaient nous adorer. They said, no, 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 get up. Non, laisse-toi. We are men like you. Nous sommes des hommes comme vous. Today, pastors, we want to fight them for ourselves. Nous avons des titres pour nous-mêmes. Sometimes, des fois, we even pretend. On prétend même. And act. Et on agit. A miracle. And say that we have performed a miracle. Sorry. They act a miracle. Il faut they cause people to act. Il faut un miracle. They put somebody in a dead in a coffin. Ils mettent quelqu'un dans un cercueil. As if the person is dead. Comme si la personne est morte. The person opens the mouth. La personne ouvre la bouche. Gets the time. The person gets tired. Il arrive à mort, la personne est fatiguée. They start closing the mouth. Il commence à fermer la bouche. Then the person says, "It's waking up. It's waking up. It's not waking up. The guy is tired." La personne est juste fatiguée. Il est juste fatigué. Amen. People pay people to come and pretend they are poor. Afin qu'ils puissent prétendre qu'ils sont malades. The miracle is not you who is doing the miracle. Le miracle, ce n'est pas toi qui le fais. God has sent me. C'est Dieu qui t'a envoyé. If I pray for you, si je prie pour toi, and you are not healed, que tu n'es pas guéri, God knows why you are not healed. Je sais pourquoi je n'ai pas guéri. I shouldn't force. Tu ne dois pas forcer. Are you with me? Vois avec moi. Because maybe, parce que peut-être, the person you are praying for, que tu pries pour, is even doing something quelque chose which is not acceptable to God. N'est pas acceptable à Dieu. Let me take my case. Si tu m'apprends dans mon cas. When I first got born again, quand j'ai été né de nouveau, mais nobody preached me. I just follow a friend. Personne m'a prêché. J'ai juste suivi. I just looked at the way the guy behaved. J'ai juste regardé la manière. All of a sudden, my friend, he wasn't behaving like you were behaving. Et soudainement, la personne ne se comportait plus de la même manière. Il est devenu gentil, calme. I asked him, je lui ai demandé, mais es-tu malade? Il a dit non. I said, you become this. Mais il y a quelque chose qui a changé. He said, you like the way I am? Est-ce que tu aimes la manière dont je suis? Yes. Oui. You don't do the first things you do. Les choses insensées que tu peux faire. He said, yes. Il a dit oui. Because now, parce que maintenant, my life to God. Je deviens la gare chrétienne. I said, oh. Then he asked me, alors il m'a demandé, you want to be like the way I am? Veux-tu être comme ça? I like the way you are. Oui, he said, then let's go to church. Alors, allons-y. He took me to the church of Pentecost. À l'église de Pentecôte. And when we went, et puis qu'on est parti, the preacher preached. Le prêcheur, to be frank, preacher, I didn't understand the preach. J'ai pas compris la prédication. But when they said, mais dès qu'ils ont dit, anybody want to give his life to Christ? Toute personne qui veut donner sa vie à Jésus. My friend tapped me. Mon ami m'a tapé. And he said, go. So I went forward. Alors, he said, we should lift up our hands. Il dit, faut lever nos mains. I lifted up my hands. But in those days, mais dans I was having a girlfriend. J'avais une petite amie. Which I've not stopped. Que je n'avais pas arrêté. The girl was giving me money. Et l'argent me donnait de l'argent. I mean, it was not our time when we say boyfriend, girlfriend, it was not sex. À ce moment, dès qu'on disait petite amie, je n'étais pas fixé sur le sexe. It was what going out together, eating juice and going to films, buying new dresses, buying new chocolates. So when they call me, and the pastor said, I should lift up my hands, confess your sins. Confess your sins. They say, if you have, you are living in sin, you should stop living in sin. And those days, I had this girlfriend, and they said, you should take a decision. Tu dois prendre une décision. Whilst I lifted up my hand, que je I was asking myself, je me suis demandé, ah, can I leave here? Yeah. Comment puis-je la quitter? No, this is not the time. Non, ça, ce n'est pas le moment. I cannot. Non, je ne peux pas. But I've lifted up my hand. Alléluia. They said, say after me. Répète après moi. I repeated it. J'ai répété. But in my heart, mais dans mon cœur, I said, I can't leave here. Yeah. Il dit que non, je ne peux pas la quitter. Are you with me? So sometimes people, it's not the people coming forward, pas les gens qui but it's the person understanding the message, and the person being convicted by the word of God, and by the Spirit of God, and the person saying, I give my life to Christ. That is what God wants. That is what we call a true repentance. Une repentance sincère. Worshiping God in spirit and in truth. Two people got to church. Deux personnes. The pastor preached. And he said, I want you to give your life to Christ. Je veux que tu donnes ta vie à Christ. One of them said, Pastor, give my life to Christ. Donnez ma vie à Christ. Give me time, I'm going to think about it. Donne-moi du temps, je vais réfléchir. The other one said, Pastor, lui a dit que, oh non, moi je suis prêt. They prayed for him. On a prié pour lui.
The one who said I'm going to think about celui it. Qui a dit que je vais réfléchir. She went, thought of it, came to see the pastor. Elle a réfléchi et parti voir le pasteur. Pasteur. He said, if I give my life to myself, si je donne ma vie à that is all the things I used to do. Toutes les choses que all the bad things I used to do. Toutes les mauvaises choses que je used to do. I'm ready to receive Christ. Je suis prêt à recevoir Christ. Hallelujah. Amen. So such a person, has received Christ, a reçu Christ, knowing en sachant that she has abandoned the world. Qu'elle a abandonné le monde. That is what we call repentance. C'est ce que nous appelons le mot. So Peter said, repent. Alors Pierre a dit, repent-toi. And be baptized. There are a lot of people who are baptized. Who have not repented. Qui n'ont pas repented. Mais l'importance vient. Et baptisme. Puis le baptême. Hallelujah. Amen. Et baptisme means. Et le baptême. I believe. Je crois. I am dead. Je suis mort. And I've been resurrected. Et j'étais ressuscité. As a new person. En tant que nouvelle personne. It also signifies that. Cela signifie que. As Jesus died. Comme Jésus est mort. And resurrected. Et a ressuscité. If I die. Si je meurs. I'll si je meurs. Je vais ressusciter. Oh, hallelujah. Amen. Chapitre 5. He says that for you yourself know perfectly that the day of the Lord, verse 2. Verse 2. The day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruineuse d'aile les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement s'en prennent à la femme enceinte, ils n'échapperont point. Listen to this carefully. Écoutez cela attentivement. He says, verse 5. Verset 5. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night. Nor of darkness. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. For they that sleep, sleep in the night, and they that drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helm and helm the hope of salvation. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by the Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Amen. Amen. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Verse 14. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient towards all men, see that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourself and to all men. Amen. Versets 14 et 15. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui
le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Hallelujah. Amen. In these days we are in, this is not time to revenge against anybody. It's not time to repent. Ce n'est pas le moment de la vengeance. Evil, I'll do evil. Je vais faire du mal, je vais faire du mal. I'll speak evil of somebody. Je vais parler du mal de quelqu'un. Non. It is time for forgiveness. Je t'en prie, tout le monde. It's time to live in peace. C'est le temps de vivre en paix. It's time to forgive. Et c'est le temps de pardonner. It's time to be sober. C'est le temps d'être sober. Sobering means that seeking for the face of God, following the word of God. It's time to walk in accordance with the word of God. This is the time that we are in. If you are in this time, I was telling somebody today, I was listening to the news, TV3, and they said 60% of Francophones are saying that there should be a vaccine card. Il doit avoir une carte de vaccin. So that we can use it to travel. Afin que nous puissions l'utiliser afin de voyager. And that those who are also in a primary school, they can use it to go to school. Et ceux qui sont à l'école puissent l'utiliser pour aller à l'école. In other words, it means the vaccine card should be something carte de vaccination that everybody should have. Doit être quelque chose que tout le monde a. And don't tell me that moi je ne sais pas. If you are in France, si tu es en France, and they say everybody should do it, et que on dit que tout le monde doit le faire, I don't know how you say you will not do it. Je ne sais pas comment tu vas dire que moi je ne vais pas. It's like you being in France. Et toi, étant en France, and you don't have papers. Si tu n'as pas de papier. If you don't have papers, you understand. Si tu n'as pas de papier, tu vas comprendre. When I came to France, I did not have papers. Quand je suis venu en France et que je n'avais pas de when papier. When I see security men, I'll be dodging. Quand je voyais des agents de sécurité. En train d'esquiver. When I am walking and I hear the police car passing, je marche, I'm like, hey, they're coming to catch me. Votre petit commence, ils vont m'attraper. La peur. Hallelujah. So let us just pray. Alors que nous puissions prier. That this thing does not happen. Que ces choses ne se passent pas. Hallelujah. Amen. But if it happens, si cela se passe, and Jesus has not come, et que Jésus n'est pas venu, what are we going to do? Qu'est-ce que nous allons faire? This is what He's the only one who has the solution. Et le seul qui a la solution. It's not by your mind. Il n'est pas par ta it's not by your tricks. Il n'est pas par tes... God knows how to save his children. Dieu sait comment sauver ses enfants. They can even put you into the lion's den. Ils te mettre dans la fosse. The lions will not eat you. Les lions ne vont pas they can put you into the fire. Te dans le if God is with Dieu you, est avec toi. God will appear in the fire with you. And the fire will not touch et you. Ne vont pas touch. Hallelujah. Oh, I didn't hear amen. Reading from verse 1. À partir du verset 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by the gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means. For the 2 Thessalonians chapter 2. Let no man verse 3. Let no man deceive you by any means. For the day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, and the son of perdition, who opposes and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that when I was with you, I told you these things. Chapitre 1, chapter 2, chapitre 2, du verset 1 au verset 5.
Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre règne avec lui.